spectateurs, donc voici le décor de Prison Break chez Fakri. Alors Fakri. Bon, là normalement il aurait dû avoir un poster de Clara Morgan, mais c'est le truc qu'il a pris. Là c'est mon pote le raton laveur qui habite là. Je sais pas combien de clés il doit se taper par jour, je suis jamais là donc. Ça doit y aller fort. Par ici, nous avons... Alors, c'était déjà une spécificité, il décolle. Là, tu regardes là. Là, tu vois, c'est... Là, on se demande ce que c'est, tu vois, trop. C'est des autres collègues. Ça doit même pas déposer à manger. Là, la souris sur le gâteau. Deux fois, là. Et là, viens voir. Tu l'as cherché. C'est quoi ce moisi là? Attends, mais viens. Non, mais là, c'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur des policiers. Viens voir. C'est quoi cette mousse là? Là, la mousse, tout ça là, c'est quoi? C'est le jardin. Putain, ouais, c'est de la weed aquatique. Ouais, non. Ah, c'est trop la classe. Et ouais. Et là, à côté, c'est... C'est pas objectif, faut que tu mettes pas, mais... Ah ouais. Une porte d'entrée dans les chiottes. Et attends, je vais voir là. Comme ça, j'ai un petit zoom comme ça, genre tu auras la poussière. Le jour où je suis arrivé, t'as 200 mètres de poussière là-bas. Et... Franchement, je me demande même s'il n'y a pas des rats ou des cafards, je sais pas. Comme ça, qu'on a... Il y en a déjà, hein. Un très gros de 86 kilos. 80... 85, s'il vous plaît. Ah ouais, j'aurais dit 80. Putain, ouais, franchement, sale chambre de merde, quoi. Je sais pas quoi dire. Mais va au tennis, quand même. Non, mais t'as la vue, quand même. Ah ouais, attends, la ville. La sublime ville. Des poubelles. Si vous voulez vivre en Floride ainsi, c'est votre choix, mais c'est... C'est vraiment pas lié, putain. Yeah. Oh, yeah, thank you very much, man. Yeah, no, thank you very much, because I remade the new one, but it's okay for the car. Oh, okay. Thank you very much, man. Il t'a sauvé la vie. Non, parce que... Bon, tu peux en une autre. Ouais, mais ça, j'aurais pas dû refaire cette carte. Non, mais par contre, le délire, c'est que tu vois, grâce à cette clé, non, grâce à la carte, je paierai 20$ de moins. C'est toujours ça. Ça fait, on va dire... Comment il savait, il te connaissait déjà? Ouais, mais comment ça se fait qu'il les trouve aux toilettes? Je comprends pas. Ouais, ça crie que tu vas aux toilettes avec ce gars. Ah mais non, attends, je réfléchis trop là. Ouais, tu comment ça se fait? Réfléchis pas trop parce que ça chauffe un peu dessus. Hein. Mais attends, mais quand est-ce que je les ai posés? Quand est-ce que je les ai laissés? Ah, j'étais vraiment bourré, je me rappelle plus là, tu vois. Mais putain, ça tue. Tu sais pourquoi? Bon, c'est pas grave, demain je ramène la carte. Le compte en banque de Fakri. Ouais. Banque of Tunisia. Ah, ce bureau. Non mais attends, mais je vais prêt à mon sou, mec. Et ça tue parce que la carte, je peux la lui ramener demain et je paie les 20$ de moins. C'est-à-dire que j'aurai 50$ à payer, ça va. C'est toujours ça. Mec. Alors dinar, c'est combien? Ça fait... Bah c'est attends, un dinar c'est 1$ on va dire quasiment. 50 dinars, ça dit connasse. Ah, il va falloir repomper des guides, mon petit jojo là, pour payer tout ça, hein. 10 kilomètres, hein. Ah bah ça tue, c'est trop bon, mec. Tu sais que les terroristes du 11 septembre, ils sont entraînés ici? Comme quoi? Ouais, mais bon, ouais. Je crois que si on passe par une chambre comme ça, je comprends tout à fait leur jeu.
Attends, le fameux couloir. Le couloir. Le couloir de la mort. Le couloir de la mort. Je crois que ça nous fait aller du côté du rat. Non putain, c'est le couloir de la mort. Le mec, attends, j'étais déjà allé en garde à vue, même dormi chez le flic. L'état, c'est même ici. Il a quoi les poubelles? Il y a les poubelles partout ici. Là, regarde, il y a une poubelle. Attends, mais pire, je t'ai pas vu sortir du mauvais côté. De l'autre côté, t'as l'odeur de la bouffe, mec. Tu sors, t'as envie de gerber. C'est l'odeur de la friction, je sais pas quoi. Tu vois, ce truc qui a bien macéré pendant 3-4 jours. Ouais, je fais ça, c'est l'odeur, ça. De l'entre de la région là. Regardez là, là c'est des... c'est pas fait des trucs de oiseaux, tu vois les cages d'oiseaux. Les cages d'oiseaux. Franchement... Eh, pas qui? C'est toi qui as choisi, hein. Bah mais attends, je suis en train de faire un sugar, là, c'est pas différent. Ici, là, j'ai un peu de pouvoir. Ah, enfin, le beau temps floridien. Ah ouais, là c'est... Mais mec, je vais être vraiment bourré pour avoir laissé ça aux toilettes. Je vais être vraiment fracassé. Vas-y, papa, raconte-nous ta vie. Ta vie de tolard. Bon, ma vie de tolard, elle a commencé le... en janvier. Quand j'ai débarqué dans ce putain d'endroit de merde. Ah mais alors là... Pour la preuve, tu vois, dans mes toilettes, je n'ai fait que pisser, tu vois, j'ai jamais osé faire le numéro 2. Numéro 2. Et quand tu vas prendre ta douche, mais c'est vraiment le pire moment. Faut pas se baisser, sinon, je sais pas quelle maladie tu vas attraper. Tu restes droit, tu vas avec des claquettes en caoutchouc. On est sûr qu'il n'y en a pas une petite barre, tu vois. Dans la douche, t'as un maillot de bain. Ah ouais, vaut mieux quand même, ouais. Un petit maillot... Non mais tu vas carrément avec la couche et tout, ouais. Le bonnet et tout. Voilà. Et j'ai jamais arrivé qu'il y a un gars qui est chouette en train de pisser là, qui ouvre la porte. Ah ouais, une fois ça m'est arrivé un truc de malade. J'étais pas en train de pisser, j'étais de pisser, j'étais à Walpé, j'allais prendre ma douche. Et qui c'est qui arrive, tu vois, un gros lard de la porte à droite. J'ai regardé, j'ai vu mon point, j'ai fait next time. Tu comprends ce qui va t'arriver quoi. Putain, mais c'est un gros porc, ouais. Franchement, je sais pas capter le délire. Tu vas croire que c'est un putain de PD le mec, je sais pas. Tu vois la lumière, tu entends du bruit et tu rentres. Mais à part ça, la vie est très belle. La vie est très belle. Enfin, pour ceux qui veulent le croire. Ah, franchement, j'en ai trop marre, gars. C'est vivement sugar mill, ça. Même si j'ai deux voisins psychopathes, c'est cool, tu vois. Ça pourrait être que de... Oh, attends, il y aura la guerre des puces, là-bas. Ouais, c'est clair, les insectes, il y a des... Ouais, mais... Tu poses un bout de pain, il disparaît, c'est pas ton voisin, c'est les fourmis, c'est... Ouais, c'est même pas chez nous, au moins, en qui fait ça. Ah, ça va être trop chaud. Yo l'enfant quoi, hein? Tu veux me tester ou quoi? Oh! Tu vas fuser la pompe? Ça crie. Hop, on sort de la douche. Je ne suis pas crié. Je sais pas comment faire mec. Je suis trop un merde. Ça c'est les lunettes de chimie, tu vois. Le truc qui sert à rien. T'as l'impression que tu pars pour un truc de plongée quoi. Je pensais que tu les avais achetés pour Porto Rico. Mec il était pas. Tu ris comme ça, la cloche avec des. Non mais pour voir les poissons dans l'eau. Ouais mais elles sont moches quoi. C'est pour que les poissons puissent te voir. Putain mais c'est vraiment de la merde. Je sais pas, moi j'ai trop qu'on marche en bras quoi. Putain la merde. Putain,
s'amuser. Putain, attends. Je sais même pas ce qu'il est mon shampoing et tout, là. Je suis un peu à la rue, là. Je vais te connecter à des scènes, trucs comme ça, peut-être certains. Mais je suis pas carnage avec le mien, s'il te plaît. Ça fait deux jours que je me suis pas lavé. C'est ça. Il est quelle heure là? 8h48. Dans 15 minutes, je dois le voir là.